Une nouvelle de Lisa Tuttle, un vaisseau de pierre. J'arrivais dans une immense cité en ruine, au milieu du désert. Les énormes blocs de pierre avaient été taillés dans le roc et assemblés avec autant de précision qu'un mortier n'avait été nécessaire. Ce n'était pas une ville de lignes droites, mais d'angles arrondis et d'enceintes circulaires avec des murailles deux fois plus hautes qu'un homme. Elle paraissait gigantesque et d'une blancheur agressive sous le ciel bleu, perdu en plein désert. Entrant par un passage voûté, je suivis des ruelles sinueuses, touchant de mes mains la pierre brûlée par le soleil. Ici et là, des signes avaient été gravés dans le roc. Du doigt, je dessinais le contour de l'un d'eux, un labyrinthe en forme de coupe, avec en son centre, symbole stylisé, un oiseau prenant son essor. La cité devait être abandonnée depuis des siècles. Les toits s'étaient désagrégés depuis longtemps. Tout était à ciel ouvert. Le sable porté par le vent avait recouvert le pavé des rues. Pour déserte qu'elle fût, même si cela ne semblait pas particulièrement réjouissant, cette ville n'avait rien d'étouffant. Je m'y sentais bien. Je m'y sentais chez moi, comme si j'avais retrouvé un endroit qui m'était familier depuis l'enfance. Patiemment, je suivais les venelles tortueuses et pénétrais à l'intérieur de chaque demeure abandonnée, à la recherche de quelque chose. Et je finis par trouver. Au beau milieu de la ville se trouvait une grande enceinte semi-circulaire. À l'intérieur, un trou avait été creusé dans la terre. Sans hésiter, je m'y glissais, ballottant des jambes, jusqu'à ce que mes pieds trouvent appui sur des marches taillées dans la roche, si raides que je dus descendre assez vite. C'était plus proche de l'échelle que de l'escalier. Je descendis très longtemps, dans une obscurité croissante, mais au moment même où je me demandais jusqu'où j'allais ainsi m'aventurer sans savoir ce qui m'attendait, sans rien voir, j'aperçus une lueur en contrebas. Quand j'atteignis enfin le fond, je voyais parfaitement. Je me trouvais dans une petite alcôve de pierre. Derrière moi, il y avait les marches, menant à la surface et devant l'embranchement de trois tunnels. Je choisis celui du milieu qui était bien éclairé. Apparemment, la lumière provenait directement des murs et du plafond voûté. Je marchai longtemps avant de percevoir, venant de loin, un bruit ouaté, irrégulier comme l'écho d'une conversation. Je parvins enfin à un autre embranchement et un passage menant à une pièce remplie de gens. À mon entrée, ils cessèrent de parler, me dévisagèrent avec une certaine appréhension. Ils m'étaient familiers, je savais que c'était eux qui avaient bâti la cité au-dessus de nos têtes. Ils se ressemblaient suffisamment pour faire partie de la même famille, avec leur curieux teint jaune-brun, leurs grands yeux ronds, leur nez en lame de couteau, leur chevelure noire et drue. Une femme se détacha de la foule et s'avança vers moi en prononçant mon nom. Son regard était rivé à mon visage. Quelque chose me disait qu'elle me connaissait bien, qu'elle était peut-être même amoureuse de moi. « Rick ?» dit-elle. Tu es revenu? Raconte-nous, est-ce que tout va bien? Est-ce que nous pouvons sortir maintenant? Nous laissera-t-on vivre en paix? Ma confusion initiale se dissipa. J'étais déjà venu ici très souvent, et je connaissais bien ces gens. Ils n'étaient pas mon peuple, mais je les aimais, et j'avais accepté de les aider. Pourquoi avais-je oublié? J'ouvris la bouche pour parler, pour leur dire que tout allait bien à présent et que je les aiderais à s'installer à la surface quand le réveil se mit à sonner. Presque machinalement, je tâtonnais dans le noir pour l'arrêter, puis je m'assis, allumai la lumière et m'emparai de mon paquet de cigarettes. Je me sentais vague et désorienté. C'était un rêve différent de ceux que je faisais d'habitude. Il avait l'impact de la réalité, d'un événement dont on se souvient. Avais-je déjà rêvé de ces gens et de ces tunnels souterrains? Ou est-ce que mon souvenir dans le rêve n'avait été rien d'autre que le rêve d'un rêve? Je mis la main sur un calepin et un stylo et entrepris de noter les détails avant qu'ils ne m'échappent.
Je n'avais pas eu de chance avec les rêves, ces temps derniers, me réveillant chaque matin pour constater leur disparition. Et pour cette raison, j'avais réglé la sonnerie pour être réveillé en pleine nuit. En décrivant la cité au milieu du désert, je me demandais où j'avais pu la voir. Il était rare que je rêve des lieux où je m'étais rendu, et j'étais maintenant en train de me demander si, étant enfant, on m'avait fait visiter des ruines de pierre quelque part dans un désert. Et ce rêve me laissait dans un étrange état de vulnérabilité. Mes dernières pensées, au moment où je sombrais de nouveau dans le sommeil, furent qu'il fallait retourner là-bas le plus vite possible, retrouver la ville et les gens qui s'y cachaient pour leur offrir mon aide. Le lendemain matin, j'avais cependant presque oublié le rêve. Je me rappelais juste m'être réveillé et avoir pris des notes. Mon calepin rejoignit mes livres de cours et un peu avant midi, je sortis et pris la navette de l'université. Avisant dans le bus une jeune fille aux cheveux noirs que j'avais déjà remarquée, je m'assis à côté d'elle. Elle étudiait les beaux-arts, son carnet de croquis sur les genoux. Elle dessinait. Et sous son crayon, je voyais apparaître un motif qui m'était familier. Un labyrinthe en forme de coupe, avec au milieu un oiseau stylisé prenant son envol. Je regardais le croquis avec le simple sentiment qu'il s'agissait d'un symbole familier, quand soudain, avec une netteté brutale, comme si c'était le souvenir de quelque chose de réel et non plus un rêve, je revis la muraille de pierre blanche, portant gravée la même inscription. Dans mon rêve, j'en avais tressé le contour du doigt. « Qu'est-ce que vous dessinez ?» lui demandai-je. Elle leva les yeux, parut me reconnaître parmi les autres passagers du bus et sourit. « Ça, oh rien, je gribouille pour passer le temps. » « Mais qu'est-ce que représente ce motif ? D'où vient-il ? » Elle se mit à rire. De ma tête, je viens de l'inventer. J'étais stupéfait. Vous en êtes certaine? Vous êtes sûre de ne pas l'avoir déjà vu quelque part? Oh, c'est possible. Elle prit un air songeur, puis son visage s'éclaircit. Je ne m'en souviens pas. Mais de toute façon, c'était dans un rêve que j'ai fait cette nuit. Elle se remit à rire, un gloussement ravi et chaleureux. Ne prenez pas cet air éberlué. Les rêves ne vous inspirent jamais d'idées à vous ? Bah, tout le temps, répondis-je laconiquement. En fait, c'est pour cela que je vous ai demandé d'où venait ce dessin. Il était dans mon rêve la nuit dernière. Je mis la main sur mon carnet au-dessus de mes livres. Je l'ai inscrit là-dedans. Je me suis réveillé exprès à 3h30 pour enregistrer un rêve. C'est pour une expérience dans le cadre des cours que je donne. Elle avait écarquillé ses grands yeux bruns et semblait accepter sans difficulté ce que je lui racontais. « C'est bizarre ?» murmura-t-elle. « 3h30 ?» Elle se pencha sur son carnet et se mit à dessiner un cadre compliqué autour du dessin du labyrinthe. « Vous comprenez, en temps normal, je ne me serais même pas souvenu de ce rêve. Mais Boguet, c'est mon chien, s'est mis en tête de sortir et il m'a réveillé vers 3h30. Alors, comme j'étais debout et que j'attendais qu'il revienne, je me suis installé pour griffonner dans mon carnet en pensant à mon rêve. Elle prit le cahier à spirale, revint quelques pages en arrière et m'en présenta une. Une rangée de blocs de pierre, un mur, de nouveau le dessin du labyrinthe avec l'oiseau, un passage voûté et des visages que je reconnaissais, les gens de mon rêve. Une sensation curieuse s'empara de moi, mon pouls s'accéléra. On dirait mon rêve, fis-je simplement. J'étais quelque part dans le désert, me dit-elle, et il y avait là une ville très ancienne qui devait être abandonnée, mais en fait, les gens qui l'avaient construite s'étaient enfuis, et ils s'étaient réfugiés sous terre. Ils étaient très gentils, très pacifiques, et ils avaient peur d'être tués s'ils sortaient. C'était un peuple merveilleux. Je les aimais et j'essayais de les aider. Ils n'arrêtaient pas de me demander s'ils pouvaient vraiment sortir et moi, je n'arrêtais pas de leur dire que tout le monde les adorerait autant que moi. Et c'est à ce moment-là que Boguet m'a réveillé. J'ouvris mon calepin à la page du rêve
et je lui tendis sans un mot. Pendant qu'elle lisait, je jetai un coup d'œil par la vitre de son côté, apercevant les rues du quartier ensoleillé et familier que le bus traversait sans grande discrétion. Le familier était brusquement devenu étrange, et l'étrange familier. Le monde était différent, et rien ne me permettait de déterminer si ce jour nouveau était prometteur ou menaçant. La télépathie fit une voix claire à mes côtés. Je me tournai vers elle et secouai la tête. « Mais pourquoi ? Nous ne nous connaissons même pas ? Pourquoi y aurait-il un lien entre nous ?» Elle me regarda dans les yeux. « Le karma ! » fit-elle. « Il était dit que nous nous rencontrions. » Sa réponse me fit rire, mais j'aimais bien son air. Et même si c'était stupide l'idée que nous avions un lien, que quelque chose nous avait attirés l'un vers l'autre, cette idée me plaisait. Une hypothèse tout à fait scientifique, dis-je en plaisantant. Voulez-vous que nous dînions ensemble ce soir ? Nous aurions le temps d'en parler. Avec plaisir. Par la vitre, je vis la tour se profiler au loin. Il fallait que je descende au prochain arrêt. On se retrouve chez Hansel et Gretel à 6h30 ? Suggérai-je en rassemblant mes livres. Elle me lança une fois de plus un de ses regards à haute tension. Mais j'y serai. Une fois descendu du bus, je me rendis compte que je ne connaissais pas son nom. Mais je ne pensais pas qu'elle me poserait un lapin, pas après une rencontre de ce genre. Je traversai la pelouse en piteux état pour gagner le bâtiment où je dirigeais un atelier consacré à l'art de rédiger un journal. La plupart des maîtres assistants se voient confier au début les cours les plus rébarbatifs, et je m'estimais plutôt heureux d'avoir pu obtenir ce semestre quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, ce qui ne m'empêchait pas de trouver ce cours superflu et narcissique. Je fis halte à l'entrée, sur les marches, pour fumer une cigarette. Je m'efforçais de me concentrer sur le cours que j'allais donner, mais ce qui m'obsédait, c'était le rêve, mon rêve, son rêve, et ce qu'il signifiait. Quand je finis par entrer pour descendre jusqu'à l'immense salle au mur nu, mes 10 élèves était déjà là. Comme d'habitude, j'allais me percher sur la vieille chaire en bois et les regardais. Certains d'entre vous ont-ils eu des problèmes pour prendre note d'un rêve ? Demandai-je. Il apparut que sur les 10, 5 seulement avaient réussi à consigner un rêve. Il y en avait un qui ne s'était pas réveillé malgré la sonnerie et un autre qui, lui, avait complètement oublié de préparer le cours. Quant aux 3 autres, c'étaient les plus gênés. J'avais conseillé aux élèves de se faire réveiller au milieu de la nuit, mais eux avaient jugé cette précaution inutile. Ils m'avaient affirmé qu'ils faisaient des rêves très réalistes et qu'ils étaient parfaitement capables de s'en souvenir. Mais chose curieuse, ce matin, ils ne parvenaient pas à se rappeler le moindre rêve. Songeurs, je hochai la tête. Je me sentais dérivé vers le rôle de psychiatre que ce cours semblait me réserver. Peut-être, suggérai-je avec un plaisir vicieux, avez-vous rêvé de choses trop embarrassantes à décrire en présence de toute la classe, et votre inconscient s'est fait un devoir de les censurer de votre conscient ? Bon, essayez encore une fois cette nuit. En attendant, nous allons déjà voir quelques-uns des rêves qui ont pu être transcrits. Quelqu'un veut commencer à lire son rêve ? Un candidat ? Une candidate ? Eve Johnson pointa en l'air une main parfaitement manucurée et sur un signe de moi prit la parole en ne consultant ses notes qu'épisodiquement. Le rêve commençait par une soirée à un club d'étudiants qui n'avait rien de très excitant. Mais ensuite, des amis à moi ont parlé d'aller en Californie en voiture, tout de suite. D'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé. J'ai des amis qui ont décidé en l'espace d'une minute d'aller en Californie, comme ça, pour le plaisir. Enfin, pour en revenir au rêve, on s'est brusquement tous retrouvés sur la route, en plein désert. On devait être au Nouveau-Mexique, ou quelque chose comme ça. Puis, on a quitté l'autoroute. Je ne sais plus pourquoi. Et on a pris un chemin de terre et on a continué comme ça en plein désert pendant un bout de temps. Et brusquement, juste devant, il y avait une immense ville de pierre.
C'était de grandes pierres blanches et avec la lune, on voyait bien. Mais la cité était abandonnée et en la regardant, je me suis souvenu que les gens qui l'avaient construite avaient eu peur que le gouvernement ou quelqu'un les tue. Alors, ils s'étaient réfugiés sous terre. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est alors que je me rendis compte que j'avais quitté mon pupitre et que j'étais en train de me diriger vers elle. Puis-je voir votre bloc-notes, s'il vous plaît ? Surprise, elle me tendit son carnet. Je parcourus des yeux les lignes où, d'une écriture appliquée et régulière, elle décrivait sa découverte des tunnels et sa rencontre avec des gens qui vivaient sous les vestiges de la cité. Je me tournai vers les autres élèves. Certains avaient l'air déconcertés, d'autres semblaient manifester un intérêt surprenant. « Il s'est passé quelque chose d'étrange, » déclarai-je. « Le rêve d'Ève est extraordinairement similaire à celui que j'ai fait moi-même cette nuit. » Moi c'est pareil, j'ai rêvé la même chose. » Pat Haggard et Bill Donaldson avaient parlé presque en même temps. Ils se tournèrent l'un vers l'autre. Je lus sur leur visage un mélange d'étonnement, de curiosité et de perplexité. « Personne d'autre ?» demandai-je. Je me rendis compte que j'étais sans doute en train de sourire bêtement. « Quelqu'un d'autre a-t-il fait un rêve contenant les mêmes éléments ?» La cité de pierre abandonnée dans le désert, le tunnel sous terre, les gens qui ont peur de remonter à la surface ? Marie Crouch leva lentement la main. « Je crois que j'ai rêvé quelque chose de ce genre, » dit-elle. « Je ne m'en souviens pas très bien, sinon que j'avais parlé à ces gens vraiment merveilleux, une espèce de tribu évoluée et pacifique, qui paraissait vivre à côté de grandes ruines de pierre. » Je hochai doucement la tête. « Bill, Pat, voulez-vous me lire vos comptes rendus, s'il vous plaît ? » demandai-je, hochant doucement la tête. Nous passâmes le reste du cours à discuter des rêves et des significations possibles de ces étranges coïncidences. Nous parlâmes télépathie et préscience, une des discussions de classe les plus animées, les plus passionnantes, les plus insolites aussi, qu'il m'eût été donné d'imaginer. Mais bien évidemment, rien ne fut prouvé et nous n'obtâmes aucune réponse véritable. Lorsque sonna la cloche, nous étions tous frustrés de constater que nous savions bien peu de choses. Tous mes élèves me promirent de continuer à enregistrer leurs rêves et, dans leur enthousiasme, me proposèrent d'effectuer d'autres recherches. Ils attendaient mes suggestions. Après leur départ, je traversai le campus à pied jusqu'à la bibliothèque pour essayer de me documenter. J'avais décidé, pour commencer, de me renseigner dans l'espoir de savoir si l'endroit dont nous avions tous rêvé avait une quelconque réalité objective. Je dus feuilleter d'innombrables volumes d'anthropologie, d'archéologie et de voyages sans découvrir la ville que je pensais connaître, dans les ruines anatoliennes, ni en Grèce, ni au Pérou, ni dans les structures monolithiques de Malte, ni dans le désert arabe. Deux des rêveurs ayant mentionné le Nouveau-Mexique, je passai ensuite aux ouvrages sur le sud-ouest des États-Unis. J'y trouvai les édifices de pierre et de terre cuites des Indiens Pueblo, les Hogan des Navajos et les légendes des sept cités de Cibola. Les Pueblos étaient convaincus que leurs ancêtres arrivaient dans le monde contemporain par un trou dans le sol et qu'ils venaient d'un autre monde situé sous terre. Je pris des notes, mais ne trouvais aucune réponse à mes questions. Elle m'attendait au restaurant lorsque je suis arrivé. Elle était encore plus belle et plus grande que dans mon souvenir. Telle une star de cinéma des années 40, elle portait un fourreau noir, une myriade de faux diamants amusants, des talons aiguilles et les cheveux relevés. « J'ai des tas de choses à vous dire », m'annonça-t-elle d'emblée en se précipitant vers moi. Je pris sa main. « Si vous commenciez par me dire votre nom ?» Nous éclatâmes de rire. « Je m'appelle Judy Anderson. Et moi, Rick Karp. » Nous échangeâmes une poignée de main, nouveau rire. « Vous êtes ravissante ?» fis-je. « Moi, j'ai vraiment l'air d'un plouc. »
Je savais bien que j'aurais dû louer une veste de soirée. Non, non, cette chemise est adorable. Elle tendit le bras pour palper l'étoffe. D'ailleurs, j'en ai une chez moi qui est presque identique. Mais les azalées sont un peu plus petites et le rose est plus vif. Elle a perdu un peu de couleur en travail et ici, dis-je. Nous prîmes un box dans le fond et pour commencer, je commandai un pichet de bière brune et une assiette de fromage avec du pain. Judy se pencha sur la table. À mon cours de dessin ce matin, on nous a demandé de créer un sigle pour une société imaginaire. Un idéogramme, quoi. Et l'une des femmes de la classe a fait le dessin d'un labyrinthe avec au milieu un oiseau en train de s'envoler pour une société qu'elle a appelée Asanasi Airlines. Voilà qui était familier. Je fronçai les sourcils. Je lui ai alors demandé où elle avait eu cette idée. Et elle m'a répondu que cela lui était venu comme ça, par hasard. Et le prof qui nous avait entendus est venu avec un air pincé, en disant « Ayez la délicatesse de citer vos sources, je vous prie. Les Indiens Anasazi ont inventé ce motif il y a plus d'un millier d'années. » Les Indiens Anasazi, fis-je, me remémorant ce que j'avais lu à leur sujet durant l'après-midi. C'étaient les ancêtres des Indiens qui habitent aujourd'hui dans les Pueblos. Les Hopi, les Zuni, les Pueblos. La culture Anasazi s'est répandue dans tout le sud-ouest. Le mot Anasazi veut dire « les anciens » en Navajo. Elle prit un air renfrogné. Et moi qui pensais vous surprendre en faisant des recherches approfondies, mais vous savez, j'ai passé au crible pratiquement toute la bibliothèque des Beaux-Arts sans trouver le dessin du labyrinthe avec l'oiseau. J'avais pensé qu'il devait être assez répandu étant donné que le prof le connaissait. Vous croyez que nous avons rêvé des Anasazi grâce à Radio Anasazi? Je lui racontai ce qui s'était passé ce jour-là au cours et je la vis écarquiller les yeux. Je tapotais sa main. Vous voyez finalement, ce n'est pas le karma qui nous a réunis. C'est peut-être votre rêve que vous communiquez à toutes les personnes réceptives. Je secouai la tête. Je n'ai certainement pas l'impression qu'il s'agisse, mais même si cela expliquait ce qui s'est passé au cours, pour quelle raison l'auriez-vous capté ? Elle me regarda à travers ses longs cils. Je vous avais peut-être déjà remarqué dans le bus. J'étais peut-être en train de penser à vous. Je suis peut-être simplement très réceptive à vos pensées. Je souris. Et la femme du cours de dessin ? Oh, une coïncidence ? Non ! Tout, mais pas une coïncidence, quelque chose est en train de se passer. Rick, tout le monde a peut-être fait ce rêve, et peut-être que seules quelques personnes s'en souviennent, celles qui se sont réveillées au milieu de la nuit comme vous et moi. Cette idée fit courir sur ma peau d'étranges picotements. Nous n'avons aucune preuve. Non, et si on a fait en sorte que les souvenirs s'effacent, nous n'en aurons jamais. L'esprit traversé par la folle image d'une enquête nationale mondiale sur les rêves. Mais qu'est-ce que cela voulait dire ? Demandai-je. En admettant que ce soit vrai, pour quelle raison tout le monde ferait-il le même rêve ? Est-ce que quelqu'un l'aimait ? Pourquoi ? Et s'il existe une raison pour que tout le monde fasse le même rêve, pourquoi la majorité des gens l'oublierait-ils ? Cela ne rime à rien. Les gens sont influencés par des choses dont ils ne se souviennent pas consciemment, me rappela Judy. Oui, mais pourquoi ? Non, cette hypothèse d'un phénomène à l'échelon mondial ne tient pas debout. Il serait plus sensé d'admettre que vous, moi, la femme du cours de dessin, les élèves de ma classe, dont les membres sont unis par des liens télépathiques ou réceptifs, disons mutuellement, ou à l'égard d'une personne spécifique. Cela s'est déjà produit et cela se reproduira probablement. Judy me regarda en souriant. Et quand moi, j'essaie de vous dire qu'il y a un lien entre nous, vous vous moquez de moi ? Votre théorie, ce n'est ni plus ni moins que le karma sous un autre nom. Nos conjectures devenaient de plus en plus audacieuses, mais derrière les mots, il se passa des choses intéressantes. Nous terminâmes la soirée dans mon lit. Au cours des 2 semaines qui suivirent, chacun, Judy, moi et tous mes élèves, consigna ses rêves.
mais il n'y eut plus d'autres coïncidences. Les rêves étaient des rêves personnels, individuels, idiosyncrasiques. J'entrepris de rédiger un rapport destiné au laboratoire des rêves Maïmonide à New York. Judy et moi passions de plus en plus de temps ensemble. Un soir, nous nous prélassions au lit sans faire très attention aux informations qui défilaient sur l'écran noir et blanc du petit poste que nous avions placé au pied du lit lorsque quelque chose nous mit en alerte. Judy se redressa. « Qu'est-ce que ?» Au milieu des jaseries télévisées, un mot venait d'attirer notre attention. « Anasazi ». Un journaliste bien habillé se tenait aux côtés d'un homme au jean crasseux, coiffé d'un casque de chantier, au milieu d'une étendue désertique battue par les vents. Un panoramique arrière de la caméra fit apparaître des travaux d'excavation. « Et qui étaient exactement les Anasazi ?» demanda le journaliste. L'autre homme, le docteur Ruben Collier, c'était ce qu'indiquait le banc titre sur l'écran, s'épongea le front. Ils étaient les précurseurs des actuelles tribus Pueblo, Hopi et Zuni. Nous n'avions jamais envisagé que nous découvririons quelque chose d'aussi complexe. Ici même, au Nouveau-Mexique, nous venons de mettre au jour une cité de pierre et d'adobe, immense et intelligemment conçue. La plupart des édifices sont reliés par des tunnels souterrains. La percée de ces tunnels a dû représenter un prodigieux tour de force. À mon avis, cela égale en importance tout ce qui a pu être découvert sur le vieux continent. « C'est une nouvelle étonnante, » fit le journaliste. « Mais vous dites avoir été surpris. Personne ne se doutait que cette ville se trouvait là. Nous ne nous étions pas rendus compte que la culture Anasazi avait atteint un tel niveau, » répondit l'archéologue. « Bien entendu, cette mise à jour soulève de nouvelles questions. Qu'est-il advenu à cette culture? Comment a-t-elle disparu? Mais attribuer cet ouvrage aux Anasazi, c'est une simplification. Vous devez comprendre. Comment avez-vous découvert ce site, docteur Collier? » Une grimace déforma son visage. D'une manière bien peu scientifique, je dois l'avouer. Je disposais de crédits pour effectuer des recherches dans ce secteur, bien sûr, et je travaillais sur une série de photographies aériennes qui nous donnent des indications sur le sous-sol. Mais quant à vous dire pourquoi nous avons entrepris des fouilles ici plutôt qu'ailleurs, eh bien, très franchement, c'est une idée qui m'avait été inspirée par un rêve. Bien des archéologues rêvent de découvertes fabuleuses, dit le journaliste en se retournant vers la caméra. Le rêve de Ruben Collier est devenu réalité. C'était Steve Carpenter, en direct, du Nouveau-Mexique. J'étais oppressé. Je me rendis compte que j'avais retenu mon souffle et je vidais mes poumons. « Voilà, » fit Judy. Lui, il fait partie de ceux auxquels le message était destiné. Elle paraissait remarquablement satisfaite. Je la dévisageais. « De quoi parles-tu ? » Les rêves. Pour nous, ils n'avaient aucune signification, mais pour lui, ils en avaient une. Oui, alors, où veux-tu en venir? L'objet du rêve, c'était de faire venir quelqu'un pour mettre la cité au jour. Tu veux me dire, qui a voulu qu'on entreprenne ces fouilles? Une bande d'Indiens morts? Elle se mordit la lèvre. Oh, je ne sais pas. Mais maintenant que la cité est mise au jour, les rêves semblent plus faciles à expliquer, non ? Pas du tout, répondis-je. Je songeais à appeler Collier en me demandant si d'autres personnes ayant fait le même rêve et l'ayant vu à la télévision allaient avoir la même idée. Écoute, fit Judy, si le rêve avait une fonction, s'il était censé agir sur quelqu'un, ça pourrait être cela. Il a peut-être été diffusé à la ronde et beaucoup de gens l'ont capté, comme nous. Mais seuls quelques-uns étaient susceptibles d'intervenir, comme cet anthropologue. Pour lui, le rêve signifiait quelque chose, et il avait la possibilité d'intervenir. Je secouais doucement la tête. Ce qui m'ennuyait, c'était que la réponse qu'elle pensait avoir trouvée n'en était pas une. D'où venaient les rêves? Qui les a diffusés? Je ne vois pas qui aurait voulu faire mettre cette cité au jour et aurait été obligé pour y parvenir d'émettre des rêves. Mais je ne sais pas, moi, bredouilla-t-elle sur la défensive. Je n'ai jamais dit que j'avais la réponse. C'était juste une suggestion.
Évidemment, je dus l'embrasser pour lui dire que sa suggestion n'était pas bête. Pas plus bête qu'une autre. C'était sans doute une bonne suggestion. Mais nous n'étions pas plus avancés. La découverte dans le désert du Nouveau-Mexique devait être la plus grande trouvaille archéologique de tous les temps. Elle fit plus de bruit que la mise à jour du tombeau de Toutankhamon. Et du jour au lendemain, le pays se passionna pour les Anasazi. On en parlait partout. Titres de journaux, articles, livres, émissions spéciales, publicités. Dans les magasins, on trouvait des jouets, des jeux et des cartes de vœux Anasazi. Un jour, Judy arriva vêtue d'une robe d'été imprimée avec le dessin de l'oiseau devant le labyrinthe. C'était un raz-de-marée, un bombardement. Tout le monde connaissait les Anasazi et parlait des Anasazi. Tout le monde en rêvait. D'ailleurs, le contraire aurait été étonnant compte tenu du matraquage que nous subissions. Dans les rêves, en tout cas, dans les miens et ceux de Judy, les Anasazi étaient toujours le peuple aimable, sage et pacifique de mon premier rêve. Mais ils avaient maintenant émergé de leur tunnel. En fait, ce rêve original partagé par des personnes dont j'ignorais le nombre ne me paraissait plus aussi extraordinaire. Nous étions désormais tellement obsédés par les Anasazi qu'on avait l'impression que la force du présent faisait pression sur notre inconscient, exigeant d'être reconnu. Les Anasazi frappaient à la porte pour nous demander la permission d'entrer. Leur voix spectrale en appelait à notre mémoire. À cette époque, j'eus à plusieurs reprises la vision d'innombrables Anasazi émergeant du sol. Et ils gravissaient d'étroites marches de pierre et débouchaient des tunnels à la lumière du jour, à la lumière des étoiles, l'un après l'autre, dans une infinie procession. Ils arrivent un à un. La file n'en finit pas, et à mes yeux étrangers, ils sont tous identiques. Le regard est alerte, reconnaissant, méfiant. Il semble demander « Sommes-nous enfin chez nous ? Serons-nous en sécurité ici ?» Ce n'était pas exactement un rêve. Rien à voir avec mes autres rêves au sujet des Anasazi, mais plutôt une pensée insaisissable, une image récurrente qui me mettait mal à l'aise. Car les Anasazi avaient bel et bien fait leur apparition du jour au lendemain. Ils étaient sortis sans se faire remarquer. Toute la population, moi exceptée, paraissait disposée à croire ce qu'elle voyait au lieu de faire confiance à sa mémoire. Pour tout le monde, il était notoire qu'ils avaient toujours été parmi nous. Je les voyais partout. Une femme au visage typiquement Anasazi assise tranquillement dans un bus de la ville, ou bien poussant un caddie dans un supermarché. Un Anasazi traversant un passage pour piétons, en tenant par la main ses deux enfants, Anasazi. Des visages au milieu de la foule, aux informations télévisées le soir, dans les voitures, ils arrivaient discrètement, sans faire d'histoire, et s'intégraient dans la société, comme s'ils en avaient toujours fait partie. Je trouvais moi-même cette obsession bizarre. S'ils n'avaient pas été toujours parmi nous, alors d'où venaient-ils ? Et j'essayais de ne pas y penser, pour ne pas en parler. J'étais sous pression, m'efforçant d'achever mon mémoire tout en m'adaptant à la vie avec Judy. Au début de l'été, nous emménageâmes ensemble en parlant d'un éventuel mariage. À la fin de l'été, j'émergeais de mes travaux de recherche et de ma thèse pour m'apercevoir que les Anasazi s'étaient regroupés afin de demander qu'on leur donne leur ville, naturellement baptisée Cibola quelques mois plus tôt, et les terres avoisinantes. Ils voulaient qu'on leur rende leur territoire. En soi, cette requête n'avait rien d'inhabituel. D'autres groupes indiens avaient déjà revendiqué New York, la Floride et d'autres régions. Plus surprenant fut l'accueil qu'on lui réserva. L'opinion publique se montra favorable à la restitution de cette région. La demande fut soutenue par des sénateurs et des délégués. Le président lui-même. Nous suivions le déroulement des événements dans la presse ainsi qu'à la télévision et tout paraissait aller très vite. Par une chaude journée de septembre, alors que le climatiseur de la fenêtre faisait un bruit de tous les diables, niché dans la chambre à coucher, nous mangions chinois, dans des boîtes en carton, en regardant d'un œil distrait la télévision, au pied du lit, quand le président
au cours d'une intervention spéciale, remit officiellement Cibola et ses environs à la tribu Anasazi, sans autre formalité. Judy était contente. Je m'assis, posai mes cartons et allai éteindre le poste. « Qu'est-ce qu'il y a ?» me demanda-t-elle. « D'où viennent les Anasazi ? Qui sont-ils ?» Il y a encore 2 ans, seuls quelques universitaires et archéologues les connaissaient. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ont non seulement une histoire, mais aussi un présent, un avenir et un pays. « Mais je croyais que tu étais d'accord pour que les Indiens... » Je l'interrompis d'un geste. « Je ne parle pas des Indiens, je parle de ces gens qu'on appelle des Anasazi. D'où ont-ils surgi du jour au lendemain ? Tu te souviens des recherches que nous avions faites ? La civilisation Anasazi a disparu il y a très longtemps. Ses descendants sont les Pueblos, les Zuni, les Hopi. Aucun des ouvrages que nous avons consultés ne faisait la moindre allusion à une tribu Anasazi existant de nos jours. Or, ils sont des milliers. Oh, les livres, fit-elle avec mépris. À quoi préfères-tu te fier, Rick ? À de vieux livres ou à ce que tu sais, à ce que tes sens t'apprennent ? Ce que je sais, c'est que depuis les rêves et depuis qu'on a découvert Cibola, j'ai vu les Anasazi et j'ai entendu parler d'eux partout. Mais pas avant. Avant, ils n'étaient pas là. Mais s'ils étaient là, on ne les remarquait pas. C'est la seule différence. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, dis-je. Je m'arrêtai, marmant de courage pour dire à haute voix ce que je ressentais. C'était une idée complètement folle. J'en étais parfaitement conscient, mais comme un rêve obsédant, je ne parvenais pas à m'en défaire et je ne pouvais plus la garder pour moi. Bon, dis-je au bout d'un instant de silence. Je ne te demande pas de me croire. Essaye d'écouter ce que j'ai à te dire et d'y réfléchir. Suppose que, quelque part, peut-être sur une autre planète, il existe des êtres ayant la même apparence que nous, capables de prendre la nôtre. Et il arrive quelque chose. Par exemple, leur planète va être détruite. Et il faut qu'ils aillent vivre ailleurs, sur une planète comme la nôtre. Dans ma tête, je vis défiler les intrigues des films de série B, des bandes dessinées, des petits romans dont j'avais fait une consommation effrénée durant ma jeunesse. Mais ils ne sont pas agressifs. C'est un peuple pacifique qui ne veut pas blesser ni effaroucher les habitants primitifs de la Terre. Tout ce dont ils ont besoin, en fin de compte. C'est une base, de quoi loger une colonie d'environ, je ne sais pas, 50 ou 100 000 personnes. Ils sont peut-être très évolués, bien qu'ils n'utilisent pas leur technologie à des fins guerrières. Ils diffusent leur propagande à l'avance, sous forme de rêves, de sorte que nous faisons la connaissance de nos nouveaux voisins la nuit, dans des circonstances totalement intimes, et que nous absorbons les leçons sans en garder un souvenir conscient. Tout le monde les aime, sans savoir pourquoi. Tout le monde est habitué à cette idée, et le jour où ils débarquent, tout le monde est persuadé qu'ils ont toujours été là et on les accepte comme les indigènes dont ils ont emprunté le nom. Judy me dit, l'air narquois, tu veux me faire croire que les Anasazi sont venus de l'espace dans des ovnis ? Peut-être pas de la manière à laquelle notre culture populaire nous a préparés, dis-je. Au lieu d'arriver dans de grands vaisseaux argentés avec de belles lumières, ils sont passés par l'entrée de service, en sortant d'un trou dans le sol. Ils ont franchi une espèce de porte interdimensionnelle en emportant leur cité, leurs tunnels et leurs édifices. Ils sont venus dans leur vaisseau de pierre et personne ne s'en est aperçu. « Toi excepté ?» fit Judy. « Oh, Rick !» Elle était bouleversée. Je crus qu'elle allait fondre en larmes. « Tu penses que je suis fou ? Simplement parce que je me demande d'où viennent réellement les Anasazi ?» Et si un matin, en me levant, je me mettais à te demander, l'air très préoccupé, d'où viennent brusquement tous ces gens basanés, avec des prénoms espagnols, et que je refusais de te croire, si tu me disais qu'ils ne nous ont pas envahis du jour au lendemain, mais qu'ils ont toujours été là, tu me prendrais pour une paranoïaque, non ? Je me dirais que tu me fais marcher, dis-je, en haussant les épaules. Qu'ils aient récupéré cette cité dans le désert ne me gêne pas. Après tout, ce sont eux qui l'ont construite et personne ne se servait de ces terres. Mais ce qui ne me plaît pas,
c'est qu'ils ont truqué notre mémoire et fait en sorte que nous les aimions. Pendant que je suis en train de te dire cela, Judy, il y a encore une partie de moi-même qui proteste, qui pense que je divague, que je sais très bien, aussi bien que tout le monde, qui sont les Anasazis. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la sympathie pour eux. Mais je sais aussi ce que j'ai lu. Et je trouve très bizarre qu'avant la découverte de Cibola, le mot Anasazi n'ait été cité que comme le nom d'une civilisation disparue depuis longtemps. Il n'y a aucune allusion sous ce nom à une tribu vivant à l'heure actuelle. C'est comme si, lorsque les archéologues et les historiens ont redécouvert la civilisation hittite, un groupe de gens s'était brusquement présenté en disant s'appeler des hittites, en affirmant qu'ils avaient toujours été là, malgré les références à leur sujet, dans les livres où « Rick », fit Judy avec un air compatissant. « Oh Rick, et tu trouves que mes théories sont absurdes ?»« Ce n'est pas une théorie, » dis-je, « ce n'est qu'une histoire. » J'étais gêné aussi bien pour moi que pour elle. Je ne tenais pas à la convertir, ni même à me convaincre. Je voulais réconcilier les deux versions de ce que je savais à propos des Anasazi. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Je ne voulais pas avoir raison à tout prix, mais je ne voulais pas non plus devenir fou. « Tu penses trop au livre, » me dit Judy. « Après tout le temps que tu as consacré à ton mémoire, cela n'a rien d'étonnant. Mais il y a beaucoup de choses réelles qui ne se trouvent pas dans les livres. Je ne me trouve dans aucun livre, et toi non plus. L'annuaire ne compte pas, et cela ne nous empêche pas d'être tous les deux réels. » Je cessai de discuter. On se mit à parler d'autre chose en fumant un peu, sans pour autant oublier le malaise que m'inspiraient les Anasazi. Je finis par me dire que me torturer l'esprit à ce sujet ne servait à rien. Je n'avais pas, semble-t-il, le moindre moyen de prouver que mon idée fantasque avait un fondement. Deux ans plus tard, nous nous rendîmes à Cibola au cours de notre voyage de noces. C'était curieux de voir un rêve aussi matérialisé. Cette Cibola était différente, bien sûr. Remise en état, réparée, la ville était désormais habitée. Les édifices de pierre ronds étaient pourvus de toits en forme de dôme, de portes de bois, de bacs, où poussaient des fleurs et des herbes aromatiques. Sur le fond d'azur, les pierres étaient toujours d'une éclatante blancheur, comme dans mon rêve. Mais en se promenant dans le dédale des petites rues pavées, nous fûmes soumis au tumulte peu onirique de la réalité. L'odeur des gens, des animaux, de la friture, le jacassement des touristes et des Anasazi marchandant le prix des bijoux et des couvertures de l'entissé. Je tendis le bras pour toucher les pierres de taille assujetties avec tant de soin. Mes doigts rencontrèrent les lignes fines d'un motif de labyrinthe, et j'en traçai une nouvelle fois, ou pour la première fois, le contour. Un guide désignait les endroits les plus intéressants en expliquant les coutumes Anasazi. Son instinct infaillible nous mena vers les échoppes, les étals, où Judy avait le plus de chances d'acheter quelque chose. Tandis qu'elle comparait les mérites de deux bracelets d'argent, j'interrogeai le guide au sujet des tunnels. Les tunnels ? Oui, je me souviens que lorsqu'on a découvert Cibola, on disait que des tunnels souterrains reliaient les maisons. Or, son visage demeura de marbre. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais bien entendu, vous échapperez au soleil. Ça vous intéresse ? Et il nous conduisit dans une nouvelle direction. Mais le tunnel qu'il nous montra n'avait rien à voir avec l'artère large, fraîche, bien éclairée de mon rêve. Il était sombre et étroit, et nous devions nous courber pour avancer. Je ne tardais pas à avoir mal au dos. Au bout de quelques minutes de cette ingrate exploration, nous empruntâmes une petite échelle de bois pour nous retrouver à l'intérieur d'une boutique de souvenirs. « C'est tout ?» demandai-je. « Et les autres tunnels ?»« Il y en a d'autres, » dit-il en hochant la tête. « Des passages très étroits qui vont d'une maison à l'autre ?»
peut-être une vingtaine en tout, et ils ne sont pas plus grands que celui que je viens de vous montrer. » Je perçus le regard de Judy fixé sur moi. Elle savait à quoi je pensais, j'insistais. Des tunnels plus grands, plus larges, plus profonds, bien éclairés, avec des salles souterraines. « Il n'y a rien de ce genre ici, » me répondit-il en secouant la tête. Là, je perdis patience. « Vous nous raconteriez exactement la même chose s'il y en avait et que vous ne vouliez pas nous laisser les voir. D'ailleurs, pourquoi a-t-on besoin d'un guide ici? Qu'est-ce que vous protégez ?» Judy me prit par le bras. « Rick, ici, vous êtes notre invité, » déclara très calmement le guide. « Vous devez respecter nos règles. Où vous en allez ? Ceci est une réserve, autrement dit, un pays distinct. Un avant-poste extraterrestre, dis-je. Et c'est nous qui vous l'avons donné. Nous vous avons accepté, et nous vous avons donné des terres, comme vous le vouliez. Maintenant, il est trop tard pour que nous changions d'avis. Viens, Judy, on s'en va. » Ce ne fut pas la plus grande lune de miel de l'histoire. D'abord irritée parce que je me rendais ridicule et que je gâchais le voyage de noces, Judy finit par craindre pour ma santé mentale lorsque je me mis à laisser entendre que mes jours étaient désormais comptés puisque j'avais fait état de mes soupçons au sujet des Anasazi. Et bien entendu, rien ne se produisit. Au grand soulagement de Judy, je finis par cesser d'évoquer mes fantasmes paranoïaques. Justifiés ou non, ils ne faisaient aucun bien à personne. Ainsi donc, durant près de 3 années, je n'eus aucune raison de ranimer mes doutes. Jusqu'à tout récemment. Il y a environ 2 semaines, Boguet nous a réveillés en pleine nuit pour sortir. Après une léthargique discussion pour déterminer qui était responsable du chien, Judy s'est rendormie et je me suis levé pour lui ouvrir la porte, l'esprit encore accaparé par le rêve qu'il avait interrompu. C'était un rêve curieux et pénétrant qui me rappelait quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. En attendant que Boguet ait fini sa promenade, je pris un crayon, un des carnets de Judy, et j'ai noté ce dont je me souvenais. J'étais dans la jungle, une forêt tropicale sur le flanc d'une montagne. J'ai décelé une piste discrète qui indiquait que quelqu'un était déjà passé par là, et en même temps, j'ai entendu un bruit étrange, une sorte de chuchotement. Je me suis arrêté, j'ai regardé autour de moi et je les ai vus. Dissimulés dans les arbres et les fourrés, des gens m'observaient. Ils avaient l'air timides et terrorisés. Je savais qu'il me faudrait beaucoup de talent et de patience pour les faire sortir de leur cachette. Et j'y tenais. Je tenais à ce qu'ils me fassent confiance. J'éprouvais un immense sentiment d'affection pour ces gens que je distinguais à peine. Il fallait que je les secoure, que je leur offre asile et protection. Pendant que je me demandais par quels moyens je pouvais le leur faire savoir, la truie froide et obstinée de Boguet, dans mon oreille, m'a réveillé. Comme j'étais assis et que je contemplais en dormant à moitié ce que j'avais écrit, je sus brusquement ce que ce rêve me rappelait. Un nouveau rêve. Je me suis précipité dans la chambre pour éveiller Judy. « Judy, » ai-je dit avec insistance pour l'atteindre à travers son sommeil. « De quoi rêvais-tu? Dis-moi vite. »« Dis-leur que nous les aimons, qu'ils sont hors de danger. » Elle retombait déjà. Je l'ai secouée. « Judy, je t'en prie, réveille-toi. » Elle a ouvert les yeux et s'est assise. « Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi rêvais-tu ? Hein ?» Elle s'est frottée les yeux en bâillant. « Je ne sais pas, quelque chose. J'étais dans la forêt avec des amis. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? » ?»« Rendors-toi, » lui ai-je dit. « Je vais faire rentrer Boguet. On en parlera demain. » Elle a fait une grimace et a marmonné quelque chose à mon intention et s'est rendormie dès que sa tête a touché l'oreiller. Depuis, j'ai attendu la suite. Et aujourd'hui, ma patience a été récompensée. Les informations n'en ont pas parlé. Juste un article en page intérieure dans le journal. Apparemment, beaucoup de choses importantes se sont produites aujourd'hui. C'était un reportage en provenance des Philippines.
sur la découverte d'une peuplade qui pourrait être une tribu jusqu'alors inconnue du monde civilisé et qui vit dans des cavernes à flanc de montagne au milieu d'une forêt quasiment inaccessible. Des indigènes, timides et amicaux, qui ne demandent qu'à vivre en paix. Et je sais exactement de quoi ils ont l'air. Un vaisseau de pierre est une nouvelle de Lisa Tuttle, extraite du recueil Univers 1982, publié chez J'ai lu. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.